Stéphane, qui a-t-il? Où est Sam Adams? Je m'en moque! On m'a volé! Oh, ils vont me le payer, ces sales scélérats! Où est-ce que tu vas? Reprendre ce qui m'appartient! Oh, mais regardez-moi ça! Ces maudites tuniques rouges me tendent la joue! Je dois sortir ton visage au rouge de ta tunique! Ces bandits me prennent mon père au Canada. Et voilà qu'ils me ravissent ma propriété. Ici! Stéphane, arrête! Arrête et écoute-moi! J'en ai assez d'écouter. Ils viennent dans ma demeure, me prendre mes affaires. Oh, mais je vais me venger. Celui qui a ordonné ça va payer. Et ses amis aussi. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux! Tu cherches la bagarre, Lambert? Tu ne veux pas te décevoir. C'est la dernière fois. Allez, je vais signer. Ouais, bravo. L'injustice mérite d'être réparée, mais pas comme ça. Quelle époque ! Mieux vaut ne pas tuer. Je viens sortir ton visage au rouge de ta tunique! Dépouillement. Je suis certaine que ça cache quelque chose. Détruit? Espèce d'incapable! Vous croyez que je vais annoncer à Johnson que son thé a pris feu par enchantement? Crétin! Il y a forcément un responsable, et tu vas trouver qui c'est! Et si tu échoues, je t'étripperai, et je confierai la tâche à moins stupide que toi. Que comptes-tu faire? Ouvrir une porte.
Ouf. Mais qui es-tu, bon sang? Pourquoi? Vous n'avez pas le droit de spoiler les gens. Avec ou sans l'aval du Parlement anglais? Le Parlement anglais? Je travaille pour William Johnson. Johnson? Achève-le sans souffrance. Pitié! Les gens semblent écouter tes paroles. Mais que vont devenir tes biens? Si les gens m'ont écouté, c'est parce que je leur ai hurlé la vérité au visage. Cela vaut bien 1000 fois le contenu de mon coffre. Les Anglais, ils peuvent se les garder, mes biens. Tu as bien agi, Stéphane. J'avais promis de t'offrir une bière quand tu m'as aidé. Mais maintenant, je suis prêt à t'offrir ma loyauté. Ton aide est la bienvenue et je t'en remercie. Maintenant, allons retrouver Sam Adams.